Je vous rappelle que nous sommes sous état d'urgence sanitaire, que là encore la préfecture nous demande de tenir certaines mesures de protection par rapport à l'épidémie. Il nous est donc demandé de porter un masque, d'être par groupe de 6 et de rester à des distances raisonnables les uns des autres. Voilà, en vous remerciant de penser aux personnes qui ont laissé leur nom en préfecture pour permettre cette manifestation. De faire cette itinérance, et il s'avère que la LDH, l'ACRIMED et de nombreuses organisations ont appelé à une manifestation par rapport à la liberté d'information et à être informée, ce qui correspondait aussi aux revendications qu'on faisait pour cette manifestation. Donc on a fait une globalité itinérance mémoriale et on va faire différents arrêts en hommage à différentes sortes de libertés qui sont de plus en plus contrariées en France, au point que même la Cour européenne s'en inquiète. Symboliquement, il y a des petites croix qui ont été posées, je crois, et puis un petit texte sur le logo pour signifier que
à la mémoire de ce lieu qui désormais est mort, alors que c'est un lieu essentiel de nos libertés et de la démocratie. Parce que c'est nous, aujourd'hui, et puis dans plein d'autres villes en France, qui portons la voix de la démocratie. Oh, yeah!
Manifestation dans Auxerre. Hein? Apparemment, au moins 6 mois. Et que les précédentes étaient en dessous de 100 personnes. Donc ça doit renforcer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'être 130 aujourd'hui, non seulement symboliquement, c'est très important, il fallait être là, on peut être fiers, toutes et tous, d'être là. Mais en plus, eh ben, on est relativement nombreux. Donc, soyons contents, soyons fiers. Alors maintenant, il y a une première prise de parole par les journalistes qui vont nous parler sans doute de la loi de sécurité globale qui met notre liberté en danger. Syndicat national du journaliste, premier syndicat de journalistes en France, actuellement, partout dans les manifestations en France, en nombre. On est vent debout avec l'ensemble de nos confrères des syndicats de journalistes contre la loi qui est en préparation, qui a été, et l'article 24 adopté hier à l'Assemblée, lequel article 24 interdit à nos confrères photographes, caméramans, JRI, journalistes, reporters d'images, de diffuser des images des forces de l'ordre pendant les manifestations ou de les fronter. L'invitation, on ne peut plus, maladroite de Darmanin, indiquant aux journalistes de s'en référer aux préfectures, de se signaler aux préfectures avant de couvrir les manifestations. Donc on est vent debout contre ça. Il y a une loi qui est la loi de 1881 qui garantit la liberté d'imprimer et circulation des idées. C'est aussi une loi fondatrice de la Déclaration des droits de l'homme. Le projet de loi qui est en cours a été critiqué fortement avec beaucoup de réserves par l'ONU. On estime que la liberté d'informer, c'est pas une affaire de journalistes et de presse, c'est aussi une affaire de citoyens. Non seulement c'est un droit, mais c'est un droit fondamental. Et nous, pour nous, c'est un devoir. Et donc, on demande aux gens d'être mobilisés sur cette liberté d'informer. Voilà, c'est ce que je voulais dire et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Félicitations, solidaire. Et je voulais faire un parallèle et rejoindre ce que vient de dire notre collègue journaliste, qui est d'ailleurs très important et
Je voulais juste référer une citation de Thomas Jefferson. Si l'on me donnait à choisir entre un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement, je n'hésiterais pas un moment à choisir cette dernière formule. Et je pense que tout est dit dans cette phrase. Effectivement, on est en train, depuis quelques années maintenant, d'assister à une régression continue de nos libertés qui, je rappelle, est inscrite dans notre devise quand même française, liberté, égalité, fraternité. Et on voit comment cette devise, elle est aujourd'hui bafouée au niveau des libertés qui sont sans cesse remises en question, qui sont réduites à peau de chagrin, puisque, comme vous le voyez, on nous met la muselière, que ce soit dans les services publics, les travailleurs, enfin tous ceux qui pensent différemment de la pensée dominante, le logiciel néolibéral, puisque vous savez, maintenant on use à tort et à travers les termes de complotistes, islamo-gauchistes, séparatistes, dès qu'on n'est pas d'accord avec le logiciel que nous dit le gouvernement. Je vais reparler de l'égalité, mais l'égalité, elle est bafouée également, puisque ce gouvernement a choisi son camp, celui des très riches, évidemment, qui ont amené M. Macron au pouvoir. Ils leur ont l'appareil comme il sait si bien le faire. Et la fraternité, la fraternité, je suis désolé de constater, mais que notre pays, il est de plus en plus fracturé. On a une division profonde au niveau des classes, au niveau de nos revendications peut-être, mais il est important, comme nous le dit si souvent M. Macron, de faire un bloc commun, de l'unité, etc. Mais dans les faits, c'est tout l'inverse qui se passe. Alors moi, j'en ai marre de cette hypocrisie, j'en ai marre des doubles discours et j'aimerais vraiment qu'on retrouve la France qui donnait envie au monde entier. Avant, moi je suis né en Allemagne, j'ai habité 10 ans en Allemagne, je suis arrivé en France, c'était le plus beau pays au monde. Je me rappelle des Allemands, j'habite en Angleterre, tous les pays aimaient la France pour ses libertés, pour son égalité, sa fraternité. Mais maintenant tout ça est bafoué, alors vraiment, il faut que nous restions actifs, il faut qu'on reprenne notre destin en main. C'est nous les citoyens qui faisons vivre notre pays, donc ne lâchons rien malgré toutes les pressions, les divisions, tout ça. On est dans le vrai et c'est ça le plus important, on a la conscience avec nous. Voilà, merci d'être là aujourd'hui, merci à tous. On est dans cette manifestation, nous quelques-uns, parce que pour nous la sécurité qu'on veut nous imposer, c'est la sécurité de leur capital, et nous voulons la sécurité de notre sécurité sociale et des services publics. Voilà, c'est ça qui fera la sécurité de la société. Et voilà, donc pour les détails, les voici, hein. Sécurité égale répression, non, mais pouvoir se soigner, travailler, se nourrir, se loger, se vêtir, se déplacer, se cultiver dans un environnement sain, c'est ça notre sécurité. Voilà. Merci. Dans les l'éducation à l'activité, la fameuse C2A. Je vous explique. Il y a des donc ouverte à tous les premiers samedis du mois à 11h, une fois devant la mairie et une fois dans un autre quartier d'Auxerre. Donc le premier samedi de décembre, ce sera à 11h. Devant Intermarché, donc à Saint-Siméon. Donc voilà, tout le monde est bienvenu, c'est pour échanger, discuter sur la vie auxerroise et on va dire un peu plus large au niveau de tout le coin. Voilà. Merci. Je termine par un dernier message, c'est celui de Sidonie. Sidonie qui est sans doute la plus jeune manifestante aujourd'hui, qui est là-bas, qui a 6 ans. Sidonie Arc-en-Ciel, elle aime bien se faire appeler comme ça, qui m'a donné des fleurs en disant que contre ceux qui veulent faire la dictature, eh ben, elle offrait des fleurs. Voilà. Ouais. Allez, Thank you.
mais par contre, c'est cette mobilisation, pour vous dire la vérité, on n'espérait pas qu'on soit aussi nombreux, ça fait chaud au cœur. On vous dit à tous, ça sera bientôt pour d'autres luttes, et si vous voulez continuer de suivre nos actions, nous sommes l'Assemblée Populaire de Serres, nous avons un site web et une page Facebook. Nous continuons les assemblées populaires en vision pendant toute la période du confinement, le mercredi soir, comme d'habitude, si ça vous intéresse. Merci encore. Continuons les combats. C'est